Okay, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, ici Transport Fever 2, et en l'occurrence Margatax, un t-shirt Che Guevara, un pull Lego, ceci n'a rien à voir, l'un fait l'apologie du communisme, l'autre fait l'apologie du plastique, on est quand même sur des choses assez différentes, le monde capitaliste et communiste qui s'entrechoquent sur un seul et même homme ce soir, Transport Fever 2, on a malheureusement quitté un peu abruptement hier parce que, hélas, mon chat a fait une crise d'épilepsie en plein stream, donc je me suis occupé d'elle, elle va bien, je vous le rassure, je vous remercie tous ceux qui se sont inquiétés. Aujourd'hui, on va continuer. On avait fait du changement de véhicule, donc sur notre dernier stream, dernière VOD pour ceux qui regardent sur YouTube. Et on avait gentiment, tout doucement, attaqué l'amélioration du fret à Hong Kong, notamment par l'amélioration de l'acier pour faire plus de biens de consommation. Je rappelle qu'on a toujours un objectif d'avoir 1000 habitants à Hong Kong, donc j'espère que nous y arriverons, mes chers amis, et que vous allez passer écouter un bon stream en ma compagnie, une bonne vidéo en ma compagnie. Voilà, j'espère que ce lundi s'est bien passé, puisque nous allons stream. Eh bien, ce lundi, j'avais très envie de faire du Transport Fever 2 pour la simple et bonne raison que on n'avait pas pu entièrement terminer hier et que je voulais un petit peu continuer. Cette semaine, il y aura encore beaucoup de Transport Fever. La semaine prochaine, il y en aura déjà un peu moins. On va essayer de basculer sur d'autres jeux. Même autant pour vous que pour moi, le changement ne peut être que bénéfique. D'ailleurs, je profite de ce temps de chargement pour vous parler de quelque chose. Actuellement, on fait du Hitman 2 en stream, donc venez voir, hein, twitch.tv/margatax. Enfin, pas que ça, on fait d'autres trucs. Pardon, excusez-moi. Tous les épisodes d'Hitman 2 seront rediffusés, mais quand on aura terminé le jeu, tout simplement. Histoire que, que vous kiffiez bien la série autant que moi je la kiffe, en mode vraiment let's play. J'ai pas une communication, j'ai pas une connexion incroyable ce soir, hein. On a les mêmes soucis qu'hier a priori, j'espère néanmoins que ça va tenir. En tout cas, ça ne se verra pas sur la VOD, hein, bien sûr, parce que j'enregistre en même temps, donc du coup toutes les micro coupures que vous pouvez voir, bien écoutez, faites comme si j'en parle, mais faites comme si elle n'existait pas, parce qu'elle ne devrait pas exister pour vous. Voilà. Alors, à Hong Kong, je vous rappelle, on avait juste déposé des voix et on avait créé la ligne, je crois. Il nous restait qu'à acheter le train qui allait rouler dessus. Et c'est ce que nous allons faire en ce début d'épisode, acheter du coup un nouveau véhicule. Salut, et tu n'as rien raté du tout. On vient à peine de commencer. Et du coup, l'autre train que nous avions changé très récemment ne changera pas pour des raisons de budget. Je pense qu'on va le laisser comme ça avec des wagons donc inutiles. Mais c'est ainsi. Il fera que transporter du charbon du coup jusqu'à l'acierie. On aura un train qui fera que amener l'acier jusqu'aux biens de consommation. Et ensuite on mettra un troisième train du coup sur cette ligne des biens de consommation plastique. Qui va être donc une très grosse ligne. Salut, colonel. Oui, tout à fait. J'ai le DLC. Je fais plus de Cities Skylines depuis longtemps, alors j'ai dû faire quelques vidéos sur le DLC Industry. Je t'invite à regarder la chaîne YouTube, mon cher ami. Et du coup, je fais plus de Cities Skylines parce que j'aime beaucoup modder le jeu, mettre des modes, des bâtiments, des véhicules, etc. Faire des très jolies villes. Et ça consomme énormément en RAM. Donc j'arrive pas à streamer, à filmer et à jouer en même temps. Ce n'est malheureusement pas évident. Je suis vraiment navré pour la connexion. Josie, entre. Donc en fait, pour être bien, il faut que j'envoie au moins, on va dire, 6 mégas, n'importe quoi.
Et ce soir, on oscille entre 3 et quasiment 7. On n'est pas sur quelque chose qui est linéaire, on est sur quelque chose qui est plutôt comme ça, ce qui pourrait expliquer les différentes interruptions. Pour revenir à Cities Skylines, du coup, ça me consomme trop de RAM, je suis vraiment à 100% de RAM, donc je ne peux y jouer dans ces conditions, malheureusement. Et je suis à 100% de RAM dès les débuts de partie. Il me faudrait vraiment ou que je fasse que ça, ou que je passe par un Shadow, tu vois, et ça pourrait me permettre de streamer. Malheureusement, je ne peux pas aujourd'hui. La chaîne ne peut pas se permettre d'avoir un Shadow. Hein. On est à 80 pubs vues ce mois-ci, soit 80 centimes ce mois-ci. Ce qui fait qu'on ne peut pas se payer un Shadow. Voilà. Je chercherai sur la chaîne après ce superbe live. Eh bien, je te remercie déjà pour le compliment, alors que nous n'avons même pas commencé. Et merci d'aller voir sur la chaîne, du coup, c'est cool. Du coup, les amis, en fait, je vais vous remercier parce que j'essaye de vous apporter du positif. Et vous m'en apportez, vous, beaucoup. Et j'espère. Que c'est pareil, que je vous envoie du positif. Voilà. Donc, est-ce qu'on a créé notre nouvelle ligne déjà? Oui, la nouvelle ligne est créée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter le train, le mettre sur cette nouvelle ligne d'acier. Donc, on va mettre 200, je pense. Et ensuite, lui ne portera que du charbon et on ne le remplacera pas parce qu'on a que 44 millions. Et du coup, ça m'embête de le remplacer. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, si je passe sur la voie de gauche ici. Ah oui, mais on était sur ce problème-là. Tac. C'est que j'ai pas de dépôt pour l'instant. Pour le moment. Donc on va arranger ça assez rapidement. Alors déjà, on va mettre ici de quoi passer sur la voie de gauche. Pas de feu, parce qu'il y aura très peu de trains, donc ils seront arrêtés avant. Ici, de quoi passer sur cette voie. Là, pour le coup, on va mettre un feu. Et on va mettre un feu. Ah, quoique lui est inutile. Lui sera utile, par contre. Parfait. Parfait, parfait. Donc on va pouvoir s'acheter ce train. On a dit environ 200 acier. C'est une ligne plutôt diesel. Donc on va voir un petit peu par rapport à nos finances. On a 44 millions. Donc c'est très peu. Diesel. Alors. La moins chère, c'est elle, à 7 millions. 4 millions. 4 millions, je pense qu'on trouvera pas mieux. 80 km/h, c'est pas très très loin. 4 et 4, 7, 4 et 4, 8, pardon. À 8, on arriverait à 2400, alors que là pour 9, on a 2600. Voilà, on a 2000. Oh, bah là, on a 2600. C'est bien mieux. On va s'acheter ça. Hop! Marchandises. Alors, c'est ça qu'il nous faut. On va essayer d'avoir 200 en capacité. Ah putain, médiocre. Bonne. Oh putain, il me faudrait 4 locaux. Donc 2, 4, 6, 8, il me faudrait. On va prendre un truc puissant. 120 km/h. Ça sert à rien. On va voir pour ça. Médiocre, toujours. Alors déjà c'est 2, absolument. Pardon, et du coup, avec lui. J'en avais une, je passe à bonne, donc il m'en faut bien deux. Hop. Donc c'est un train à 36 millions. Double locomotive, train américain. Hop. Hop. Hop.
Voilà. Non, pas du tout remplacé. Excusez-moi, je me fais avoir, mais littéralement à chaque fois. Fréton Kong. Je n'ai pas créé cette ligne. Alors. Frétacier Hong Kong 2. C'est ça. Frétacier Hong Kong 2. Hop. Frétacier Hong Kong 2. Très très bien. Et donc du coup, il est où notre train? Eh ben, il est là, justement. Ok, on va attendre qu'il arrive là-bas. Une fois qu'il aura déposé cet acier, on le transférera donc sur sa nouvelle ligne sans le remplacer. Comme je vous le disais, il peut transporter 200 de charbon. Donc on va rester comme ça avec cette petite merveille. Donc là vraiment sur des lignes full américaines. Hop. Il est en train d'arriver, donc on repasse en vitesse 1. Ah, c'est une vieille ligne, regardez, il y a encore un signal mécanique. Voilà. Oh putain, il n'y a plus rien à prendre ici. Ah non, il n'y a pas d'acier. Bon, vous voyez, ça va nous être très très utile. Hop là, et voilà. Là, il va vendre, et dès qu'il vend, on le change de ligne. On change sa ligne. Hop, 750 000 et on enlève Hong Kong Nord. Calmons-nous. Hop. Embranchement de Hong Kong. Qu'est-ce qui se passe? Bah alors. Voilà. Il a juste oublié de faire demi-tour tout seul. Ok, et on a notre fret qui est notre nouveau train qui est en train d'arriver. Et donc 120 km/h évidemment. Là, il vient de loin. Elles sont magnifiques, hein, ces locaux. J'adore. Ça me fait penser à Train Sim World. Donc du coup, là, il va prendre l'acier. Et on va voir à quelle vitesse il va jusqu'à là-bas. Et j'espère que ça suffira. Bah, je pense qu'on va quand même lui trouver un nouveau fournisseur de charbon. Hop. Alors, je me mets en vitesse 3 pour le chargement. Histoire qu'on se l'évite. Ok, il est plein. 198 sur 198. Donc, on est sur un train qui est très très lourd. Et je suis pas sûr qu'il atteigne ses 120 km/h jusqu'à là-bas. Parce qu'on est quand même sur un truc qui est relativement court. Alors, quoique, il est déjà à 100 km/h. Ok. Parfait. Oh oh! 116, 117, 118. 118 au maximum, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, les gars. J'adore. Ok, parfait. Et donc, ça devrait aller beaucoup mieux. Ce qu'on va faire, c'est que on va laisser tourner ça. Pendant ce temps, on va s'acheter un troisième train, du coup, pour cette ligne-là, qu'on va acheter ici. Est-ce que je peux l'acheter ici? Oui. Hop. Donc là, un train électrique. 120 km/h, ça nous suffit. J'en ai qu'une à 120? J'ai que elle. Bah allez. La Chania Railway. Alors, avant de l'acheter, en fait, on pourrait peut-être observer les différentes capacités. Hong Kong pétrole plastique, là je suis à 35. Là 11 et 12. Ok, donc on n'est pas sur un truc. Ah ouais, attendez, il y en a un qui vient de partir aussi. Ah ouais, non, ok. On va remettre un train, je pense qu'un. Un train à 150 unités, ça pourrait être pas trop mal. Alors du coup, on a dit la locomotive chinoise. Et donc 150 unités. Hop.
162, c'est trop. 144, c'est bien. 37 millions. Fuck. 36, 34. Non, non, mais attendez. Hop. Voilà. Et ça, frais de plastique, bien de conso. Ah! Flûte. Flûte. Je peux pas le faire sortir d'ici. Là, c'est l'électrique. Là, c'est l'électrique. Ah, je comprends pas. Non, attendez, mais je suis bête. En termes de voie électrique, où est-ce qu'il m'en manque? Là, c'est bon. Bah, pourtant. Pourtant, les gars. Là, c'est électrique. Ok. On arrive ici, on est toujours sur un caténaire. À moins qu'il veuille passer au milieu. Bah, non. Là, on est sur un caténaire. Ah oui, si. Ok, c'est là qu'il manque. Hop. Je pense, hein. Ouais, je l'ai fait sur la sauvegarde. Hop. Ok, on va voir si ça lui convient mieux. Je l'espère. Fuck. Il veut pas sortir de là. Le petit salaud. Putain, pourtant je suis... Si, là je suis en électrique. À moins qu'il veuille y aller là-bas. Bah non, il veut pas aller là-bas. Hop. Si vous le voyez, vous me dites un salut Nether Gaming. Bienvenue. Ça c'est pas lui. Et là je viens de le passer en électrique. Ah! Bah non, putain. Là c'est tout électrique. Là c'est électrique. Ah, je vous avoue les gars, je comprends pas. On va l'acheter d'ailleurs. On va le revendre, on va l'acheter d'un autre truc parce que ça me saoule. Tac, vendu. Oui, voilà. Et on va se le racheter d'ici du coup. Oh non! Putain, le jeu qui crache! Nether, on dit, je te le dis à chaque fois j'oublie. Pardon les gars, jeu qui crache évidemment. Peut-être qu'il passe par une autre voie non électrique sur le chemin du retour. Bah non, parce que les lignes électrifiées de bout en bout. Moi, je t'aime un bus sur Roblox. Sacré travail, Nether. Je suis deg. Attendez, je réfléchis. Oui, mais non, en fait, je réfléchis pas. Je l'achète d'ailleurs, je le revends, je l'achète ailleurs. Et puis voilà. Tout ira bien, je l'achète d'un autre dépôt. Voilà, notre troisième train, on va réussir à le mettre, hein. C'est tout. Alors, faudra faire attention, par contre, sur... Quand on remplacera les trains de cette ligne, il n'y en a pas un qui a le même âge. Donc, pour le coup, d'habitude, on remplace tous les trains. Là, on remplacera train par train. Donc, voilà. Presque terminé. Moi, j'ai fait l'intérieur avec mon pote. Va faire le script, d'accord. C'est un travail d'équipe, c'est bien les gars. Félicitations, vous êtes créatifs. C'est très très bien. Ah, je suis terriblement déçu de cette attitude, mon cher Jean-Pierre, mon cher Xavier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre troisième train, notre train chinois, sur les lignes. Si on y arrive, bien sûr. Une fois que notre train chinois sera sur la ligne, on ira voir un petit peu ce qui se passe en termes de biens de consommation. Et... à la suite de ça... Q
que va-t-on faire? Oui, à la suite de ça, on ira voir les biens de consommation. Si les biens de consommation, on n'y touche pas, on passe à une autre industrie. Si les biens de consommation ne vont pas bien, on verra pour lui trouver plus de... Parce que plastique, ça va. Pour lui trouver plus d'acier. Par contre, mes sièges se mettent n'importe comment. En fait, sur le chemin du retour, elle passe sur une double voie. C'est sûrement l'une des deux qui électrifie dans un sens. C'est la voie ferrée qui colle l'aéroport. Oui, mais... Ce que je comprends pas, c'est que la voie ferrée qui est vers l'aéroport, qui est derrière l'aéroport, on a trois voies, on en a une électrifiée, et on en a deux qui sont diesel, mais nos trains électriques ne doivent pas passer par ça. Ou alors je l'ai pas mis sur la bonne ligne. On va regarder tout de suite, hein, de toute façon. Il n'y a pas de secret, les amis. Il n'y a pas de secret, on va regarder ça de suite. Ça, ça va nous aider à mener Hong Kong et nos 1000 habitants. C'est l'objectif, je vous le rappelle, avant de passer à tous les autres objectifs de cette partie, on en a encore quelques-uns. Il faudrait regarder le tracé, du coup. Ouais, mais en fait, ça se trouve, je ne l'ai pas mis sur la bonne ligne, tu vois. Donc on va faire ça avant de le vendre et de l'acheter ailleurs. Parce que pour moi, en fait, il peut atteindre une des gares. On va aller voir tout de suite. On va prendre un de ses confrères. Et on va aller voir ça de suite. D'autant que le jeu a chargé. Vous avez vu que je rage de moins en moins quand même quand le jeu crash. Non, je déconne. Je rage toujours autant. C'est terrible. C'est terrible. Ça me rend fou. Et pour autant, je n'ai toujours pas écrit de mail au développeur. Voilà. Oh non, j'ai pas chargé la bonne partie. Bon Dieu, chargé une partie, j'ai pas pris l'autosave de 21h07. Mon cher Jean-Pierre. Terrible, les amis, terrible, terrible. Bah, du coup, regardez les pubs, hein, de toute façon, ça charge. Moi, je suis avec vous. Voilà. 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 Ah là là, c'est un ami, mami, mamou. Padam pam 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 padam. Padam pam 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 padam. Padam pam 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 padam. Ta na 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 na. Déçu, déçu, les amis, mais ça va, on va s'en sortir. Ouais, j'ai arrêté de parler, je me suis mis sur mon portable, voilà, excellent. Ok, les gars, allez, on se remet. Ça suffit, les conneries. Ici, vous avez un streamer de qualité. Mais parfois un peu déçu des performances de son jeu. Alors voilà. Si tu veux, je t'envoie le screen de mon bus sur Discord. Mais oui, tu peux le mettre dans... On a un onglet Marga Screen sur Discord, donc vas-y, fais-toi plaisir. En plus, les autres pourront le commenter, te dire ce qu'ils en pensent, donc ce serait plutôt cool. Alors... On va regarder un petit peu ce qui se passe. Et au pire, vraiment, on se prend pas la tête, on l'achète d'un autre endroit. Et comme ça, ça va carburer un petit peu. Ligne qui peut-être va grandir. Aller chercher directement le plastique à la source. Il faut voir, parce qu'en fait, le virage n'était pas très beau. Mais on pourrait faire un truc comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Ça augmentera la capacité d'envoi de fret de... non, mais ça augmentera les capacités, donc c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est une bonne idée, les amis. D'après moi. Je vais pas vous mentir, mais je pense que ça peut être une idée assez intéressante.
On va voir tout cela. Alors, maintenant qu'il a débugué, après avoir bugué une énième fois, Urban Games, if you watch this video, don't kidding me. C'est frais ton compte plastique bien 1. Donc on va voir ce que ça donne. Où est-ce qu'il est notre dépôt? Il est là. Frais ton compte plastique bien 1. Je l'envoyais pas sur la bonne ligne, les gars. C'est bon. On a la chinoise qui part. On va la regarder aller jusqu'à sa première gare. On va le regarder sortir déjà tranquille. Alors, frais ton compte plastique bien 1. Rappelle-moi ce que tu fais. Frais ton compte plastique bien 1. Tu fais ça et tu vas ensuite là-bas. Mais ça va changer un petit peu. On va agrandir un peu cette ligne. Donc là, on est sur les voies de service, hein, tranquillement, avec cette locomotive chinoise. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il n'y avait que des locomotives chinoises avec des wagons asiatiques. Est-ce que vous avez remarqué ce petit détail? Hop là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Putain de montagne russe. Hop. Toujours en voie de service, ici. Tac, tac. Voie de service. Ah putain, voie de service au vert en plus. Et là, diesel. Ah putain, ils vont rouler côte à côte, les gars. Ils vont rouler côte à côte. L'image de l'aîné. Il va plus vite, lui, hein. 72 km/h. Ils vont faire une petite course, du coup. Oh, j'adore. J'adore. Attendez, on va prendre une photo. Oh! Oh! Je sais plus. Du coup, on va prendre deux photos. Lui, il nous aura bien tracé la tête. Ah, terrible. Terrible désillusion. Bah vous savez quoi, pendant ce temps, on va travailler au tracé, du coup, de cette plus grande ligne. Alors, en gros, je veux que ça parte là, et que ça aille directement chercher le plastique et les biens de consommation là-bas. Voilà ce qu'on veut. Oh, quoique, il n'y a pas besoin, eux, ils sont assez longs. Il n'y a pas besoin. Peut-être toi tu prends plus assez de pétrole, si, c'est parfait. Ah, il va dans une autre gare, lui, parfait. J'adore ce qui se passe. Donc là, voie de service, parce que c'est plus une voie utilisée, même plutôt voie abandonnée. Hop. Voilà. Et il va passer devant l'autre. Par contre, là, il y a vraiment un truc qu'on va faire, c'est doubler la taille de cette gare, parce que là on s'en sort plus. J'ai mis trop de trafic pour ne pas la doubler. Hop. Voilà, plateforme. Hop. Ok. Alors, attention à ce qu'on fait. Ah oui, non. Déjà, on va relier tout ça. Hop là. Voilà. Là, j'ai pas trop de dégâts en plus à faire ça. Je peux faire ça tranquille. Deux jours. Hop. Là, c'est trop serré, je pense.
Voilà, parfait. À gauche. Donc ici, un feu. Ici, un feu. Voilà. Et là, par contre, un peu plus de taf. On va faire passer lui. Hop. Ouais, je sais ce que je fais. Ne vous inquiétez pas, ceci est fait par un professionnel. Hop. Comment ça, construction impossible? J'ai dit que j'étais un professionnel ou pas? Hop. Hop. Ah! On va vraiment se taper une construction impossible. Hop. Tac. Là, un feu ici. Un feu là. Lui, on le vire. Hop. Ok, et là, c'est là qu'on commence à s'amuser. C'est parfait. C'est parfait. Merci Gavark. Salut, salut. 14e mois d'abonnement. Mais le mec est fou. Le mec est incroyable. Parfait. Ça va? La forme? La forme mon gars. Hop. Donc lui, il a un feu. Lui, il part gentiment là-bas, vers l'ouest. Excellent. Excellent. Voilà. Non mais c'est ça qu'on veut les gars. Là, ça va reprendre. Ouais, reprise aujourd'hui. Et eh ben, j'espère que t'as bien repris. Dis-nous tout, raconte-nous tout. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tes collègues ont été gentils avec toi? Tout ça. Hop, ok, parfait. Lui, il se fait décharger tranquillement ici. Ça part sur les camions. Ok. Juste, par contre, j'ai un petit bout de route à remettre en place. La très grande rue. Hop. Voilà, donc ils seront bloqués sur le passager niveau, sur l'entrée de gare, mais c'est pas très très grave. Ok. Là-bas, est-ce qu'on a du charbon? On a un peu de charbon. On n'a pas assez d'acier. Et là, est-ce qu'on a de l'acier? Oui, par contre là, on n'a pas assez de charbon. Ça là, c'est à 100%. Mais... il n'y a pas assez de charbon ici, donc là, on va se trouver du charbon. Et on va améliorer tout ça après. Parce que déjà... ah non, mais ça, j'ai abandonné. Les trains sont assez longs ici. Ça passe tranquille. Il est un peu déséquilibré, ce train, d'ailleurs. Mais ça se passe bien. J'adore. Là, il y a bien un canton, hein. Alors, pourquoi il démarre pas? J'en sais foutre rien. Ah, ça y est. Ils ont mis du temps à décharger, j'ai l'impression. Ouais, ça, là. On adore. On adore de ouf. Et le troisième, il est où? Il est où, le troisième luron de la foire? Ah, il est là. D'accord. C'est parfait. Là, ça va enchaîner de fou furieux. Hong Kong, combien d'habitants? 645. Allez, on lâche rien. Là, il nous faut plus de charbon, on a dit. Bah là, il y a du charbon. On va construire une ligne. Ce sera une ligne électrique parce que la majorité des voies sont électrifiées. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et on va réutiliser des voies existantes. Et donc, ce sera du fret. À 160, si nous le pouvons. Attendez. Parce que là, du coup, ce serait bien qu'on pose une troisième voie. Une deuxième voie, même. Hop. Voilà, cargo. Tac. Tac. C'est pas facile. Hop.
Et hop. Voilà. On va basculer tout ça. Oui, bon, je sais. Ça marche plus. Hop. Je sais, j'ai flingué deux lignes. Hop. Hop. Terminaux. Terminal 2. On attend. On attend la fin de la sauvegarde automatique. Ta-ta-da. Terminal 2. Voilà, ça, ça remarche. Ah, non. Eh oui. Je suis con, moi. Hop. Hop. Vas-y, bouge. Vas-y, bouge, frère. Parce qu'après, je vais... Ouf, je vais peut-être pas enlever cette voie. Hop. Hop. Voilà. Alors, on va enlever l'électrification ici. On va enlever ça. Enlever ça. Ok. On va enlever ça. Et enlever ça. Et on va en mettre là. Même si on verra un petit peu ce que ça donne après. Ok. Alors. Hop. Là. Là, ça va là. Ok. Et de l'autre côté, les amis. De l'autre côté, ça pourrait sortir du tunnel. Collision, collision. C'est toi la collision. Ah, c'est toi que je fais collisionner, frère. Ça fait un gros arrêt. Oula, non, non, c'est trop moche. Oula, c'est affreux. Hop. Ouais. Je sais. On a fait de la merde. Ah mais disons-le, on a fait quelque chose de... On a fait n'importe quoi, on le paye cash, hein. Salut Galextrami, salut, j'espère que ça va bien. Parce que je voudrais pas qu'il s'arrête ici. Putain, il est là. Non, non, mais là, ça fait une courbe à 50. Ah, mais je suis con. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Tac, tac. Hop. Ça, ça va foutre le camp pour l'instant. Hop, hop. Voilà, on va juste remettre la route directement. Une petite route de campagne. Parfait. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Oh non, j'ai pas mis en caténaire. Hop. Hop. Ok, donc. Un feu là. Un feu là. Ah, mais ça règle toujours pas mon problème pour passer d'une voie à l'autre. Hein, mais on va le régler. On va le régler, on va le régler. Déjà, on va caténériser tout ça. Avant toute chose. Hop. Hop. J'avais même pas vu. Voilà, parfait. Et il nous faut quand même un embranchement par ici. Dans le tunnel, du coup, pas le choix. Ok. Et on va mettre. Bah alors lui, ça suffira en termes de protection. Oh, et puis celui qui est assez loin aussi, ça suffira pour les deux. Ok. Et ensuite, et bah écoutez, c'est juste là.
Bonjour, hello you. Alors, on met sur pause les amis, parce que là on va faire des gros travaux. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, des gros travaux. Je vous mens pas. Quart de fret en 320 mètres, grande vitesse, caténaire, oui. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On va supprimer pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez le dire. En trois voies d'ailleurs, cette gare de fret. Trois voies. Hop. Je l'ai posé n'importe comment. Salut Arthur, Comet t'es plus malade, Comet va beaucoup mieux ce soir, je te remercie. Et Arthur vous dit bonjour, YouTube, comme d'habitude. Oh là là, il a placé ça, mais comme un connard. Hop, c'est pas grave, c'est pas pire. Est-ce que ça marche? Ça marche, que demande le peuple? Rien de mieux que ça. Hop. Alors là, j'enlève suffisamment, parce que je veux pas perdre de vitesse sur cette ligne-là. Et j'en perds. Hop, 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 hop. Ça va être une entrée en gare, mais ouf. Voilà, 300 de partout. On adore, on adhère. Comet, t'avais du mal à se remettre de la gueule de bois. Plus ou moins, non. J'ai un chat épileptique, en fait. Et du coup, hier, en stream, son épilepsie a décidé de faire des siennes. Ça lui arrive pas souvent tôt. D'habitude, ça lui arrive en pleine nuit. Et donc, j'ai quitté pour m'en occuper. Mais elle a ça depuis quelques mois. Elle est sous traitement. C'est juste que... Généralement, en fait, quand elle fait une crise, elle a giga faim. Donc, je lui blinde de croquettes. Et, ouais, j'aurais peut-être pu attendre. Non, c'est pas grave. Et elle veut grave, grave, grave des câlins. Donc, je lui fais plein de câlins quand elle fait une crise. Et ça va beaucoup mieux. Ça va me faire flic, par contre. Putain. Ah, si, c'est bon. Donc voilà, mais rien de très grave, en tout cas, j'ai l'habitude maintenant. Ça commence à faire quelques temps, les amis. Je lui ai mis des croquettes hier, en l'occurrence, mais c'est un peu ça, en fait, elle a trop la dalle. Je pense parce qu'elle est fatiguée. Je sais pas trop. Donc voilà. Vous savez tout, mes chers amis. Vous savez tout. Alors, du coup, ces feux-là, on va les faire péter. Hop, hop. Hop, voilà. On a notre voie de gauche. Bah, du coup, on a un feu ici. Et on en a un deuxième très proche. Donc là, ça fait trois feux qui sont assez proches. Mais c'est comme ça. Et un feu ici en entrée de gare qui sera jamais utilisé, je l'espère. Et en sortant de gare, du coup, un feu ici. Un feu ici. Hop. On va laisser avec lui. Ouais, c'est pas mal. Ça fait beaucoup de feu, mais c'est pas mal. Hop. 140 km/h, ça roule. Tac, nouvelle ligne, après petite sauvegarde, et on lancera le train. Hop, jusque là. Voilà, fret, Foshan, fer, non, pas du tout. Charbon. Voilà, là par contre, je veux absolument que ce soit sur le dernier terminal. Donc absolument pas là. Ça va en terminal 3. Comme ça, ça gêne pas la conduite des passagers. Ok.
On est pas mal. Sauvegarde. Et on va s'acheter un train électrique. On va lui mettre 150 unités, je pense. Et on va en mettre un pour l'instant et voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Il faudrait faire Fauchon. Ça va partir d'ici. Là, ça peut être un train assez rapide. Juste, on va regarder par curiosité le moins cher. Il va... Pardon, j'ai dit électrique. Le moins cher, 19, 17, 15. 15 millions, et c'est une locomotive américaine. Eh bien, écoutez, on va faire ça. On a dit 150 unités. Hop, 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 hop. 162, c'est satisfaisant. 27 millions, pas trop cher. Hop. J'ai dit quoi, Fred Fair Fauchon, je crois. Fred Fauchon Fair, je sais plus. Ah, Fauchon Charbon déjà, parce que c'est pas du fer. Parfait, on va le regarder sortir. On va vérifier que ça se passe bien tous les endroits possibles. Et puis là, ça devrait commencer à carburer un max. Là, il y a pas mal de plastique en stock. L'acier, il commence à s'en sortir. Donc ça devient pas pire. Allez, allez, les gars. On y croit, on y croit, on y croit. On va regarder ce train sortir du coup de son dépôt. Il est là. Bon, pour l'instant, ça n'a aucun sens sous ces virages. Hop. Ça, ça va aller jusqu'à combien du coup? Jusqu'à 120, mais oui. Et oui, et oui, les trucs américains, j'aurais dû prendre une européenne, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Si, c'est grave, c'est chiant. On le remplace par une électrique qui fait au moins du 160 et qui est européenne. Donc on a elle très chère. La BR 185. Et la Véro Dual. 165 000, ça, ça devrait suffire. La BR 185, on va le remplacer, du coup, je suis bête. C'est moi, je voulais faire du 160. C'est ma faute. Hop. 32 millions. 5 millions. Ok. J'ai même pas regardé si c'était bon. Donc un petit fret comme ça, quelques wagons. Mais du coup, au moins, ça pourra aller à 160. On verra justement si ça atteint sa vitesse de pointe ou pas. Salut Squiffa, bonjour à tous, en tout cas, bienvenue. Ça fait plaisir de tous vous voir ici. Merci beaucoup, merci encore à Gavark pour son sub. N'hésitez pas à sub, n'hésitez pas à faire des dons sur Utip, n'hésitez pas à regarder les pubs. Bref, n'hésitez pas à soutenir la chaîne de façon financière, parce que c'est quand même pas mal de travail et ça me prend pas mal de temps. Donc bah, si vous pouvez aider à la hauteur de vos moyens, juste en regardant une pub, pardon, juste en regardant une pub, ce serait absolument fantastique. Je compte sur vous, les amis, comme dirait Mimetti, on compte sur vous. Ta-na-na. Attendez, c'est quoi? On compte sur vous. Aujourd'hui, on n'a pas le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dégagé, chacun pour soi. Je pense à toi, je pense à moi. Bienvenue, mais le bonsoir. Juste à regarder et à boire. N'hésite pas à regarder une pub ou à faire un don dans la hauteur de tes moyens. L'important, c'est que tu passes un bon moment. Si tu passes un bon moment, moi je suis content. Ma chanson, elle est pas forcément incroyable, mais j'espère que vous kiffez quand même. Là, il y a un gros ralentissement. 68 km/h, là, qu'est-ce que c'est ça, 68 km/h? Terrible, j'espère que ça vous a plu cette chanson. On a fait fuir des gens. A priori, les gens étaient pas en mode. Non, je veux partir du coup. Là, ça ralentit trop. On va juste voir si on peut pas faire un petit squeeze-easy là, comme ça, juste pour voir. Comment on rend ça, construction impossible? Ah, on pourrait faire un petit squeeze-y comme ça. Chanson sur 10. Chanson sur 10, frère. Attendez, attendez. On va essayer un truc, là.
Ah, c'est un truc de ouf. On va essayer de faire ça. Ok. Un petit contournement. Un petit contournement qui nous permettra de... d'aller plus vite. Hop. Attendez, attendez, mais c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal du tout. Alors, faut revoir le système de feu... le système de feu du coin. Mais on est sur un truc pas trop mal. Hop, on vire des cantons à vue d'œil. Genre lui là, il dégage. La sortie de gare, elle reste. Hop. 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 On va faire un cantonnement en plein milieu. 153 sur 160 les amis, ça vaut le coup. Et là on est en sortie de gare, donc ça c'est cool. On va quand même mettre un feu ici. Et voilà. Est-ce qu'il passe sur ces nouvelles voies? Yes. Ok. Ok, ok. Bon là ça se passe bien. 153 sur 160. On va regarder du coup sa vitesse de pointe. On va voir s'il atteint les 160. Ah, c'est... j'adore cette gare. Écoutez, j'adore cette gare. Là, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à chier, j'adore cette gare. Fred Foshan, charbon. Qu'est-ce que ça donne, Fred Foshan, charbon? Ça donne 5 minutes. 5 minutes, c'est parfait. Tu peux regarder les pubs, Arthur. Tu peux regarder les pubs. Écoute, aujourd'hui, il y avait Utile qui donnait sa conférence mensuelle. Qui disait, bah, regarder une pub, c'est déjà un très grand pas. Faites-le, c'est tout. C'est tout. Si vous le voulez, si vous le pouvez, bien sûr. Je suis toujours un peu gêné, même si, tu sais, je suis toujours en mode déconnage. Vas-y, fais un sub 3. Toujours et tout, on rigole, machin, l'argent des abonnés, les YouTube money, c'est même la description Twitter, d'ailleurs. Mais en vrai, je suis toujours assez gêné à vous demander... à vous demander de l'argent. J'aime pas trop ça, voilà. C'est quelque chose qui me gêne. Je me sens pas forcément légitime à le faire. Voilà. Donc, si vous pouvez, bah, vous pouvez. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Et je vous en voudrais jamais. Et personne ne vous en voudra jamais pour ça. Voilà. C'est tout. Un message d'espoir. Écoutez, là, ce contournement, il est parfait. Il est vraiment parfait. 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 Et là, du coup... Alors là, dans le tunnel, il a dû changer. Ouais. On va le regarder, on va encore faire un tour avec lui dans l'autre sens, mais du coup en vue première personne pour voir ce que ça donne. Et là par contre, ouais, ça ralentit. Ça ralentit. Excellente blague. Enfin bref, voilà, faites ce que vous voulez, je vous aime. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais changer ma description Twitter tout de suite parce que c'est vrai que... c'est pas ouf. Salut Dr. Fauss, Comet va très bien, je te remercie. Elle est en train de dormir, nous avons joué un peu ce soir, c'était une belle soirée, finalement. Nous avons passé avec beaucoup de bonheur. Et ça allait beaucoup mieux hier soir. J'ai dit je changeais ma description Twitter. Qu'est-ce qu'on met, les gars? Je vais mettre... Je suis gentil. Non, c'est nul. On va mettre la chaîne Twitch, bien sûr. On va enlever le hashtag YouTube Money. Et on va mettre... Soyez amour. Oh, je sais pas, j'ai pas d'imagination là. Vous savez quoi, je vais juste mettre la chaîne Twitch. Et je vais réfléchir. Voilà, là, je suis trop. Je suis désolé de vous demander de l'argent. Remember, fais une vidéo, j'aime l'argent. C'est vrai, mais c'est beaucoup de réflexion. Et en vrai, bah, tu réfléchis, tu te dis est-ce que les gens vont comprendre ta démarche? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je dois le faire? Voilà, et d'un autre côté, ça reste quand même pas mal de taf. Du coup, voilà. Voilà, bref. Qui a une crise d'épilepsie sur les nerfs. Ouais, elle a fait une crise d'épilepsie hier soir, malheureusement. Elle en fait quelques-unes. Elle est épileptique, en fait, c'est un chat épileptique. Ce qui est rare, mais ça existe, c'est mon chat. Du coup, ça va mieux. Ce que je disais tout à l'heure, elle a besoin de manger, elle a besoin de câlins après, de soutien, d'attention, d'affection. Donc c'est pour ça que j'ai quitté le stream, il fallait que je m'occupe d'elle et puis c'est...
De toute façon, mon petit chat, c'est Fifi. Je me plais à l'appeler. Voilà, là c'est 127 km/h, hein, c'est 130 seulement. Oh, mais tous les. Tous ces putains de TER, ils sont tous au même endroit. Quoi. Terrible, j'ai deux portables, je regarde ton stream, je fais type quoi, tiens pas. Non, mais tu m'étonnes, mec. Non, mais fais pas ça, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire, vous voyez là, tout le monde veut donner de l'argent. C'est pas ce que je voulais dire. Merde. En fait, le point de vue essentiel, c'est la création sur Internet, c'est gratuit. Généralement, tous les mecs sur YouTube qui regardent, c'est gratos. Tu vois, tu vas sur YouTube, bam, tu regardes tes vidéos. Tu te fais plaisir. C'est beaucoup de travail, pas forcément que bon, voilà, je parle pas bon, je parle en général. C'est beaucoup de travail, donc si vous pouvez aider ces mecs en regardant des pubs, pour ceux qui ont les moyens, en lâchant du fric, bah faites-le, voilà. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Personne ne doit jamais, mais personne, je dis bien personne, ne doit jamais vous culpabiliser pour ça ou vous forcer à donner de l'argent ou rien du tout. Non, non et non. Le but, c'est que si vous aimez vos créateurs, c'est que vous puissiez les soutenir à la hauteur de vos moyens. Et c'est tout. Voilà, Gavark a une chaîne Utip. Allez voir. Utip.io/Gavark. Allez voir. Le roi des rats a une chaîne Utip. Frank Miller a une chaîne Utip. Bref. Du coup, voilà. C'est mon point de vue et ça me gêne d'en parler. Et bonjour Christophe TV. Bonjour un follow, ça te va. Un follow, c'est parfait Christophe TV. Tout est parfait, tout est génial, et de toute façon, je vais vous dire un truc qui va vous paraître certainement un peu con-con, mais c'est pas grave, je vais le dire. Vous êtes une communauté fantastique, vous m'apportez beaucoup de bonheur, beaucoup de soutien dans ce que je fais. C'est tout. Voilà, vous êtes des gens bien, tous autant que vous êtes, soyez bonheur, soyez amour, et c'est tout. Et je ne peux vous souhaiter que ça, soyez bonheur, soyez amour. On vous le rendra, c'est sûr et certain. Et soyez heureux, surtout. Voilà, merci pour le follow, Christophe. Bonsoir à tous. Parlons d'autre chose, parce que là, je sens que je vais partir sur des considérations philosophiques où je vais vous dire soyez heureux, violon, tout ça. Je vais vous donner des conseils de vie, genre Orelsan à la fin de son album. Non, 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 non. Pas ce soir, les amis, pas ce soir. Hein. De toute façon. Je vais vous dire ce qui va se passer là, on va juste regarder les trains, on va discuter. Je pense que je vais continuer à parler, j'ai envie de parler ce soir on va discuter. On va regarder ces trains, on fera pas vraiment plus ce soir je pense. Si vous savez quoi, on va faire des changements de véhicule, on en fait tout le temps, mais c'est la fin de partie, hein. Vous le savez, et là je vais voir le tunnel en fait, je vais voir ce qui se passe dans le tunnel, ah, vous savez pas, vous êtes pas simple. Olsen, basique, simple, basique, exactement. De quoi vous voulez parler les amis? De quoi vous voulez parler? Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez les séries? Est-ce que vous aimez les films? J'ai regardé le dernier train pour Busan hier, j'ai trouvé ça formidable. Je vous conseille ce film coréen qui était de très très bonne facture, les amis. En termes de séries, j'ai regardé The Witcher, j'ai trouvé ça vraiment très bien, mais je suis très bon public, donc toutes les critiques que j'ai pu lire, voilà. Il y a certaines scènes qui sont d'un point de vue cinématographique, pas ouf. D'un point de vue réalisation, qui sont pas ouf. En ce moment, je regarde The Shield, qui est une très vieille série policière, très violente, que je vous conseille si vous avez plus de 18 ans. Les jeux que tu aimerais reprendre. Les jeux que j'aimerais reprendre. Putain, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'aimerais reprendre? Si, je voudrais bien voir un... Mais ça, je vais vous le dire, vous allez faire... Ah mon dieu, génial! J'aimerais bien refaire du roleplay. Voilà. Ça me manque un peu. Je ferais bien du GTA en roleplay. On va changer des véhicules, les gars, comme à chaque stream. On va finir par ça. On va sauvegarder, déjà. Parce qu'on fait de l'argent, en plus. Donc, c'est cool à regarder ce train. Pas sur Arma 3, je pense que j'en ferai sur GTA. C'est encore en réflexion. Mais c'est vrai que je me ferais bien un petit peu de roleplay, d'autant que j'ai plus de temps pour streamer. Donc pourquoi pas. GTA, j'entendrai bien sur Family 5. Je dois bien l'avouer. Ça me manque un petit peu. Ad Astra, c'est un peu trop gros. Family 5, c'était un truc pas mal. LSPDFR, mon gars, j'ai grave envie aussi. J'ai réinstallé GTA hier, pour tout te dire. J'ai commencé à télécharger des mods, j'ai rien installé.
Mais c'est en réflexion. ETS 2, il y en aura dans la semaine, mais voilà. On m'a dit que l'histoire ressemble beaucoup au Seigneur des Anneaux pour The Witcher. Alors, je suis pas un très très bon connaisseur du Seigneur des Anneaux, mais je ne trouve pas, non. Après, en termes de, d'esprit, oui. En termes d'esprit, oui. Suzu B1, Suzu B2, Suzu B2. Regardez-moi. Regardez-moi ça. J'ai mis des Chevrolet. Ces Chevrolet ne fonctionnent pas du tout. Il y a personne. Il y a personne qui veut prendre ce bateau. Il y a personne qui prend la bus, mesdames et messieurs. Personne. Alors voilà, on se retrouve avec des merdes qui roulent. Voilà. Comme ça. Et SPDFR, genre vraiment romancé et tout, c'est ce que j'aimerais faire, mais ça va me prendre un temps fou. Mais j'ai grave envie. Du coup, vous voyez, j'ai des idées, j'ai des envies. Et j'ai très peu de temps. J'ai très peu de temps. Je vous ai dit, il y a vraiment 30 secondes. J'ai le temps pour streamer. J'ai plus de temps. C'est vrai. J'ai plus de temps pour streamer. Mais j'ai un boulot qui me prend pas mal de temps. Que j'aime beaucoup. Mais qui me prend pas mal de temps. Et fatalement. Voilà. J'ai très peu de temps pour moi. Pour moi tout seul, tu vois, entre mon boulot et le stream. J'ai très peu de temps pour moi tout seul. Et du coup, bah, je suis obligé de faire des choix, de faire des arbitrages, même si le stream, bah, voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. LSPDFR, ouais, j'ai très très envie d'en faire. Farming Simulator, j'ai pas trop envie. Pas fan. Enfin, pas fan, plus fan. Trop déçu par le dernier opus. Il y a beaucoup de très très mauvais. Hein. On va y passer 30 secondes. Là, il me faut des gros bus. Sur le Krasnoyarsk Express Gare. A priori, là, on est sur une ligne... Ah bah oui, je suis con. Évidemment que cette ligne, elle marche. Je me souvenais plus des lignes que c'était. Hop. Je crois que j'ai lui, là. Ouais. Ça, c'est 26. Ça, c'est 27. En plus, il est très, très beau. Oh là, mais tout est beau. Tout est beau, les amis. Complètement con. Là, il commence à y avoir un peu de monde, hein. Il commence à y avoir un peu de monde sur les routes. Transim World, oui, mais ça me prend beaucoup de temps et ça vous plaît pas plus que ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Plus de temps, tu veux dire pas suffisamment. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. J'ai pas le temps de faire tous les projets que je voudrais faire et tout. Tu vois, ça me gêne pas parce que vraiment, j'aime mon taf. J'aime beaucoup ce que je fais et j'ai la chance de faire un travail qui me plaît, mais qui me prend du temps parce que je le veux aussi, tu vois. J'ai pas que le stream dans la vie, vous comprenez les amis. 36 sur 36 là, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah ouais. Bon bah... Ligne diesel, on va prendre une toute petite diesel avec deux wagons. A priori, c'est ce qu'il faut faire. Salut à tous. Bienvenue tout le monde. En tout cas, ça fait très plaisir. Salut Kalimoon 30. C'est ce que tu as fait. J'ai bien aimé, mais tellement j'ai pas regardé que maintenant que je regarde la physique visuellement des véhicules morphiques. Farming Simulator 19, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ont fait aucun effort par rapport à celui d'avant. Ils ont pris le jeu d'avant, ils ont fait ah, copier-coller. Voilà. Et du coup, pas cool. Du coup, pas cool du tout. J'étais très déçu, vous avez le droit d'avoir évidemment un avis différent du mien. 40. Bah, c'est bien parce qu'elle, on l'avait pas encore, je crois. Donc, c'est parfait, une nouvelle locomotive à la flotte. Avec seulement deux wagons, c'est un peu chiant, mais... c'est ainsi, Transport Fever 1, nous n'en referons plus. Je reviens très peu... dans le passé. Hanoï, ça marchouille, mais je sais ce qu'on va mettre à Hanoï. Je sais exactement ce qu'on va mettre. Alors déjà, on va sauvegarder. Sauvegarder! Ça me fait plaisir, en tout cas, de tous vous voir, de parler avec vous et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est pour ça que je dis que vous êtes la meilleure communauté, putain, mais quel bonheur de vous parler et tout, de discuter. C'est trop cool. Merci mille fois, les gars. C'est trop cool. Hop. Remplacer. Là, on va mettre du 8 Citaro, du coup. Toutes les lignes qui marchouillent en termes de bus, on va mettre du Citaro. C'est électrique, c'est pas trop cher.
Kyoto B1, ici Taro. Pareil. Tac tac tac. 2019 est passé avec 2019. Ouais, non mais enfin, franchement, Farming Simulator 2019. Pas dingue. Transport Fever, j'en ferai plus, du coup il y a le 2. Voilà, 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 gestion du véhicule, les amis, voilà, le ici Taro, très bon bus. Après, c'est bien, ça rafraîchit les flottes. Hein. Nac pure planche, mesdames et messieurs, je sais exactement ce que je veux comme poids lourd. Hop, allez, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça, et voilà. Du camion forestier, en veux-tu, en voilà. Et bah, il est là. Il est parfait. Bientôt FS21, mais j'espère qu'ils vont changer le moteur graphique. Parce que si je change pas le moteur graphique, je ne le prendrai pas. Bonsoir tout le monde, en tout cas, vous êtes vraiment nombreux ce soir. Et ça me fait super plaisir. Alors, merci. Ça, ça transporte de tout. Là, il me faut du gros camion. Ça c'est 32, ça c'est 30. Putain, bah c'est bien, je l'ai pas mis lui encore. Ah, j'ai fait ça sur la sauvegarde automatique. Hop, hop. J'ai l'impression que quand je fais des actions sur la sauvegarde automatique, c'est là que je crache. Donc, je fais attention. Hop, nouveau camion. Alors, qui est France, celui du bois. Mais, avec un... Enfin, du coup, c'est ça transporte de tout, quoi. Pas mal. Pas mal, pas mal. Hop, hop. Là, il y a tellement de trafic. C'est ouf, le trafic qu'on a ici. D'ailleurs, je peux pas augmenter la taille de cette route, là. Tac. Là, je peux pas. Là, j'ai plus. Ça me fait un petit bout en plus qui est pas à 30. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Là, par contre, il roule à vide, hein, les frères. Eh, tu roules à vide, frère. Hein. Hop. On continue. Ah. Hyperavat B1. Il y a un peu de monde. Il y en a 13. Non, mais on va mettre de l'Icitaro aussi. Hop. Passager. Icitaro. Parfait. Parfait, parfait. Il peut y avoir des catastrophes naturelles comme dans City Skylines. Non. Là, on est vraiment sur la gestion de ton réseau de transport. Ah, merde, mes deux frais de charbon. Là, de toute façon, il y en a un qui roule. Il y en a un qui roule pas, je crois. Alors, lui vient de partir à 109. Donc le... J'en ai un... 100... Ouais, et ben les deux, on va mettre 150. Quelque chose près. Remplacer ces véhicules sélectionnés. Là, c'est du 120 en diesel. On va voir ce que ça donne avec ça, juste pour le principe. Pif, paf, pouf. Réfléchis, réfléchis, Mariatax. C'est Skyline, j'en ferai plus pour l'instant, ça bouffe trop de RAM. Je suis fâché avec ce jeu. Hop. Capacité 130, 143, 156. On va mettre 143, on va en mettre 2 comme ça. Ah là, on fait de la sacrée économie. Hein. Hop, 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 hop. Bonsoir à tous, en tout cas, merci vraiment. Putain, c'est tellement bien. On va regarder remplacer des trains. C'est vrai cool. Hop. Du coup, ça donne quoi? Ok, on regardera sur le prochain, parce que ça va être le même. Gestion du véhicule. 2 BR218. Avec ça. 117, 143. Merde, j'ai plus de thunes. Oh, oh bah on va regarder sur le premier que j'ai acheté, du coup. Hop. On va regarder ça vite fait. On va sauvegarder, parce que vraiment, ça me fait flipper.
120 km/h, hein. Il rentre à 120 km/h en plus dans ces gares. Ça, ça fait plaisir. Hop, hop. Il est peut-être un peu court. Je sais pas trop. Tac, 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 tac. ouais, il me faudrait plus de RAM. Plus de RAM ou... Après, en vrai... De toute façon, là, en ce moment... ça vous concerne pas, mais j'ai pas... Je peux pas acheter de nouveau PC. C'est trop cher. Et je lorgne vachement sur Shadow. Mais Shadow, c'est genre un 40 balles par mois. Il faut le payer en une fois et tout. C'est un petit investissement aussi. Mais... Vous voyez, c'est peut-être mon prochain... Mon prochain achat. Allez, 20 millions, frère. Abuse pas. Attendez, mais là, à 14 millions, j'ai moins de 4000. À 14 millions, j'ai moins de 4000. Bah oui, mais il faut que j'en mette ça, je suis con. Hein. Je suis bête. Hop. Et voilà, 17 millions au lieu de 20. On repart sur de l'américain. Bon, alors j'aurais pu prendre, mettre la grosse, mais voilà. Tu peux me dire comment ça chaîne? Quoi, pardon? Pardon. Avec Shadow, tu joues avec ton PC actuel, tu stream. Ouais, ce serait l'idée, ouais. Ce serait l'idée. Non, c'est pas mal, ça. Et il y a la BR qui... Elle est où, la BR? Elle suit. Regardez, elle est là. Est-ce qu'elle va doubler? Ah, c'est plus compliqué, hein, quand on est plein. En fait, j'aimerais bien les voir rouler, genre, à deux de front. Ça pourrait être pas mal. Mais non, on le rattrapera pas. Peut-être au retour. Donc là, on a de l'européen et on a de l'américain sur la même ligne. Tu peux, Dr. Faust, tu mets ta chaîne, tu lui envoies par Discord, Arthur, ta chaîne. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, bon, ils rouleront pas de front, hélas. Ça carbure de ouf. J'adore. Là, il n'y a personne. J'adore pas. Là, c'est vide. J'adore pas. Mais ça va se remplir. J'adore. Hop, et ça... Ça, je kiffe ce machin. oui, mais du coup, ça reste moins cher qu'un PC classique. Je sais plus avec qui j'avais discussion sur la chaîne. Je vous ai parlé du Isitaro ou pas du tout? Parce que là, j'en mets. Voilà. Ça fait moins de bruit et tout. C'est parfait. Sapporo charbon. Ça a pas l'air de charbonner de ouf. Y en a pas un qui est rempli. Alors. On va déjà en vendre 3. Et on va mettre les camions les moins chers. Les moins chers avec le plus, hein. 14. Alors. 14 pour 56. 87 pour 19, c'est ce que j'avais. 127 000 par an, c'est trop. 194 000 par an, c'est trop. 70 000 par an. Et bah, du camion électrique, mesdames et messieurs. Voilà ce qu'on veut. Du camion électrique de partout. Je comprends pas pourquoi il y a certaines lignes qui ne marchent pas. Bah, parce que j'ai mal géré le réseau. Oh, on a les TER Nagpur, on va faire ça là comme dernier changement pour ce soir. Qui sont en train de tomber. Là, ça va être la grosse sauvegarde. Et là, ça va être la grande réflexion. Déjà parce que ça là, c'est ça qui m'a plombé. C'est les BR-103 sur des trains qui roulent pas du tout à 200. Donc ça m'a plombé. On va regarder les capacités actuelles de tous ces trains. 47, 114, 31. Donc on va mettre des plus petites rames.
Tac, tac. Alors, TER, Nakpur, c'est Nakpur Jeddah. Hein. Ouais, c'est Nakpur Jeddah. J'en ai un qui vient de partir. Donc lui, c'est 47. Donc on est à 50. 50, 36, 16, ça, c'en est un ou pas? Donc 50, pour l'instant, il y a une cinquantaine d'individus max. Ouais. Donc on va se mettre sur des rames. Attendez, c'est où Jeddah? Ah oui. C'est vrai que ça continue loin. 58. 58, 58. Et toi, t'es à 76. 76 et il vient de partir. 80 en même temps. 80 en même temps. Pas du tout ce que je voulais dire. 80 environ sur cette ligne de TER. Alors, sachant qu'on risque de faire remplacement par remplacement, on va déjà regarder. 80 unités multiples. Le Metroliner. Metroliner en termes de capacité, c'est parfait. Donc on va mettre ça. Voilà. Même si nous avions été déçus par ses performances, c'est les capacités qu'il me faut. Et du coup, on va le suivre. Yann est sur Shadow, ouais. Tout à fait, Yann est sur Shadow. C'est tout à fait vrai ce que vous dites, mon brave monsieur. Alors, attends. Parce que du coup, si je pouvais en trouver un. Pas trop loin d'un terminus, histoire qu'on se tape toute la ligne. Je mets le jeu sur pause même. Ah, bah il y en a un là. Ça, c'est parfait. Ah, mais ça, par contre, en termes d'accélération, mais quelle grosse bouse ce Metroliner! C'est terrible. Après, en termes de capacité, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, pas de regret. Mais, quelle grosse bouse. C'est terrible. Non, mais sérieux, quoi. On est sur la partie la plus longue des voies. Et on n'a pas atteint les 193 km/h, quoi. C'est terrible. Hop, hop. Allez, on va aller jusqu'à Nakpur, du coup. Tranquille comme ça, en discutant, la vie est belle. Et puis en plus, j'adore regarder mes trains comme ça. Et la prochaine fois, on continuera. Inhabitant, tout ça, tout ça. Oh, il y a un Isitaro qui vient d'arriver. On le voit dans le trou de la gare, les amis. je sais pas si tu peux. Je crois que tu peux changer d'abonnement en fait, et du coup, t'as un meilleur Shadow, mais voilà. Je suis pas sûr que tu puisses faire plus. 61 sur 81, mesdames et messieurs. Ça, ça va bientôt tomber là, le train à droite, vu la gueule des wagons. On va devoir les remplacer bientôt. 461 sur 81, on va surveiller la vitesse aussi. Tellement décevant de ces Metroliners, mais écoutez. Hop! J'ai un petit chat qui veut monter. On va regarder ça tranquillement, pour aller se coucher, discutons. Tout ça, tout ça. En tout cas, Shadow. Shadow, je pense que c'est une bonne alternative à un PC gamer. Et pour moi, ça te coûte moins cher d'avoir Shadow. D'avoir un PC gamer. Y a Steam qui vient d'installer GTA 5. Je pense que c'est pour ça que la connexion prenait des jetons. On est à combien là? On est à 67 km/h. On est déjà parti depuis une demi-heure, frère. Hein, c'est terrible. Ah bah ça c'était gracieux, mon chat. Allez, on voit même plus la gare. Et on est qu'à 100. Terrible. Honnêtement, c'est terrible. Ouais, donc du coup, on va la regarder en vitesse 1. Aller jusqu'à Nakpur, parce que ça me fait plaisir. Il faut une bonne co, pas forcément. A priori, tu peux même l'avoir en ADSL, en fait. Ta qualité d'image dépend de ta co. Donc tu vois, moi, par exemple, je suis pas en fibre. Je suis parti à la campagne, donc j'étais à Lyon, j'étais en fibre. Donc, co plutôt excellente. Ici, j'ai une co qui est pas dégueulasse. Par rapport à l'endroit où je me trouve. Ça pourrait être, tu vois, vraiment, vraiment pire. Mais on n'est pas sur un truc de foufou non plus, donc c'est ça qui me fait peur, tu vois. Est-ce que j'arrive à supporter Shadow et à stream en même temps? Déjà, en termes de machine, je sais que j'y arrive. Tu vois ce que je veux dire? Shadow prend tout. Ma machine prend rien. Donc vraiment, en termes physiques,
j'ai pas de problème. Parce que voilà, je consomme pas de RAM, je consomme pas de processeur, je consomme pas de carte graphique, c'est Shadow qui prend. Donc en termes de perf, tu vois, en théorie, je suis sur des enregistrements et des streams de meilleure qualité. D'un autre côté, je suis pas en fibre. Je le redis, je suis pas en fibre. Ce qui fait que pour aller choper Shadow, donc t'envoies des paquets et t'en renvoies, grosso modo. En fait, tu streams, c'est Netflix quoi, tu streams ton jeu vidéo. Avec un stream de lancer, je sais pas trop ce que ça donne, tu vois. C'est là mon interrogation, elle est réelle. Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que ça vaut que dalle? Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser ou pas? Tu vois, ça, j'en sais rien. Là, vraiment, vraiment, j'en sais rien. Donc, en termes... Après, tu vois, je pourrais aussi faire... toi, oui, effectivement, toi, t'es un peu bas en termes de débit. Je suis navré. Je suis à plus que toi. Je suis à plus que toi en up que t'as de débit descendant. Je suis en VDSL 2, en fait. Donc, les VDSL 2, c'est vraiment meilleur que la Wi-Fi. VDSL 2, donc je suis à... Attendez, je crois que j'ai une photo, si vous me laissez la chercher sur mon portable, je vais vous dire les... J'ai fait un speed test, évidemment, en arrivant ici. Faut juste que je retrouve la conversation. Hop. Là. Alors, en ascendant, donc en up, en débit montant, ce que j'envoie moi, je suis à 15 mégas. Ça, c'est parfait. Clairement, c'est parfait. Et en descendant, je suis à 76 mégas. En vrai, tu vois, ça pourrait suffire. Hein. Enfin, surtout que j'ai pas besoin de 4K en termes d'image. J'ai pas un PC 4K. Je pourrais la plus grosse config. Parce que ça me permettra de faire tourner des conneries. Genre Cities of Skylines full modé. Ça va tourner nickel. Il y a un gros disque dur et tout. Et ça devrait passer en termes de connexion. Là, pour le coup, ce qui me freine, c'est lâcher 40 balles par mois. Ça, bon, il y a mieux. On a des meilleures idées que lâcher 40 balles par mois. Mais d'un autre côté, c'est 40 balles par mois qui disent « Ah, t'as pas besoin de lâcher 2000 balles dans ton PC. » Donc, ça contrebalance. En fait, ce que j'aimerais, c'est pour ça que je vous ai parlé d'argent tout à l'heure, mon plan un peu fou, ce que j'aimerais beaucoup. Le lien Discord fonctionne pas. Regarde celui qui est sous le stream. Ou sinon, j'en ai besoin sur YouTube. Ou voilà. je le remettrai. Merci d'avoir signalé. Pardon. Je disais quoi? Qu'est-ce que je disais? Merde, je me suis perdu. Oui, pardon. Ce que j'aimerais beaucoup. Donc c'est pour ça que je voudrais de l'argent. Ce que j'aimerais beaucoup, genre mon plan secret. J'aimerais bien que ce soit la chaîne qui paye. En gros, je vous explique. J'ai deux comptes bancaires. J'en ai un pour moi. Et je suis auto-entrepreneur, en fait. Micro-entrepreneur, maintenant, ça s'appelle. Pour la chaîne YouTube. J'ai fait ça. Clairement, j'aurais pas dû. Parce que par rapport aux revenus de la chaîne, ça valait pas le coup que je devienne micro-entrepreneur. Bon, ok. Je l'ai fait, mais... Ça valait pas le coup. Mais je l'ai fait quand même. Donc du coup, j'ai un compte pour ma chaîne YouTube. J'ai mon compte perso qui est pour moi. Je paye mon loyer, mon eau, mon électricité, les trucs random. Et j'ai le compte de la chaîne qui me rapporte parfois de l'argent. Faut savoir que YouTube donne la chaufferie qu'à partir de 75 euros. Donc j'ai environ un virement par an. Twitch, c'est à partir de 100$, donc là j'ai environ un virement tous les 18 mois, 2 ans, grosso modo, je pense, hein. Parce que Twitch, ça fait moins longtemps, et Utip, je prends quand je veux, et généralement je récupère quand j'ai un virement en YouTube ou un virement Twitch, parce que du coup, en fait, tu payes pas d'impôts, tu payes des impôts que sur les revenus que tu déclares, donc moi, ça m'arrange de tout déclarer d'un seul coup plutôt que déclarer en plusieurs fois. Donc pour l'instant, tu vois, j'ai de l'argent sur un type qui bouge pas. Ça, c'est mes revenus. Ok, donc pour être très franc avec vous, je suis genre à, on va dire, 80 balles par an, grosso modo. Là dedans j'essaye de
d'acheter des trucs qui vont servir pour la chaîne, ce qui est complètement faux. En fait, je m'achète des jeux. Grosso modo, les jeux, j'y joue. Enfin, je les achète pour y jouer avec vous en stream ou en vidéo. Donc, j'achète des jeux avec le compte de la chaîne. Et voilà. J'essaye d'éviter de m'acheter des jeux avec mon compte à moi. Et du coup, en fait, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que la chaîne paye pour Shadow. Sauf que c'est 40 balles par mois. Et là, je viens de vous dire, je gagne 80 balles par an. Donc, pour l'instant, c'est impossible. Mais c'est un projet que j'aimerais bien faire aboutir, tu vois. J'aimerais bien ne pas payer Shadow et que ce soit la chaîne qui le paye, que ce 40 balles par mois, ce soit la chaîne qui le sorte. Après, tu vois, 40 balles par mois, les pubs sont à 1 centime en ce moment. Il faut 100 centimes pour faire 1 euro. Il faut 40 euros pour faire 40 euros. Bah, je voulais te faire le calcul. Combien faut centimes? Il faut 40 fois 100 centimes, donc il faut 4000 centimes. Donc il faudrait regarder genre 4000 pubs par mois. Ce qui est énorme et ce qui est impossible sur le type pour payer ça. Donc, pour l'instant, c'est un projet que j'ai dans le fond de la tête. Après, la chaîne va bien. Transport Fever fait beaucoup de bien, hein. Je suis très fort avec vous, hein. Franchement, je bouffe sur des trucs, je devrais fermer ma gueule et je devrais absolument pas vous en parler. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que pour moi, j'ai rien à vous cacher. Du coup, la chaîne YouTube a bien marché là sur décembre, c'était incroyable avec Transport Fever et généralement, les pubs sont plus chères en décembre avec Noël, tout ça, les fêtes. J'ai fait un mois de décembre plutôt excellent sur la chaîne, fin novembre, décembre, plutôt excellent, franchement c'était ouf, par rapport à d'habitude quoi. Donc, je me dis, c'est possible, on pourrait faire un truc et tout, il y a 2-3 subs qui traînent par-ci par-là, tout ça. Et si, il y a un truc aussi qui est important, c'est le lien d'affiliation sur Instant Gaming, mais c'est un délire les gars. Ça c'est trop trop fort, vous êtes géniaux avec ça parce que j'en parle tellement peu souvent, j'en ai beaucoup parlé sur Transport Fever 2 évidemment, et j'ai plein de Transport Fever 2, mais en gros j'y suis allé l'autre jour pour acheter le... Gavard qui m'avait... Non c'était pas Hitman 2 que j'ai acheté, je sais plus ce que j'ai acheté mais peu importe, on s'en fout. J'ai acheté un truc dessus, je me connecte sur Instant Gaming, j'avais 11€ sur Instant Gaming, les gars. Vous imaginez pas, sur des affiliations, je touche entre, je sais pas, 40, entre, on va dire 30 centimes et 1,10€ par jeu, en fonction du jeu qui est acheté, du montant. Donc un Red Dead Redemption, ça me rapporte environ 1,10€. Transport Fever, ça devait être genre 46 centimes, je crois, un truc comme ça. Ih, putain, les gars, j'avais 11 balles. Comment ça m'a fait plaisir de fou. Je vous l'ai pas dit, j'aurais dû vous le dire, j'aurais dû faire une vidéo en disant « Oh putain, mais c'est trop bien !» Et c'était trop cool, j'étais trop content parce que du coup, j'ai pu m'offrir un jeu et tout. Grâce à ça, grâce à la chaîne, grâce à vous, et... Mais quel bonheur c'est. Vous imaginez même pas quel bonheur c'est. Donc, voilà. Mon objectif, ce serait que la chaîne paye Shadow. Le PC va pas trop mal, il commence à vieillir. Mais il va pas trop mal, tu vois, j'ai pas à m'en plaindre, je peux pas jouer à Cities of Skyline, mais c'est aussi l'utilisation que j'ai de Cities of Skyline, c'est le fait que je peux pas y jouer. Donc le PC va pas trop mal, clairement pas. C'est clairement chouette. Donc j'ai pas besoin de Shadow. J'ai pas besoin de nouveau PC. J'ai pas besoin de Shadow. J'ai pas de besoin en fait à très court terme. J'ai généralement plus de besoin dans ma vie. J'ai plutôt tout ce qui veut. Tout ce qu'il me faut, j'ai un chat, j'ai une super commu, j'ai un PC incroyable et tout, j'ai plein d'objets, j'ai plein de jeux, enfin voilà, j'ai plein de livres et tout, j'ai tout pour être heureux, j'ai pas de besoin. Si je passais à Shadow, c'est ou mon PC vraiment devient trop vieux, prend un jeton, quoi que ce soit, touchant du bois, je suis obligé de passer à Shadow parce que je pourrais pas me payer un nouveau PC. Ou la chaîne fonctionne de ouf et ça peut me payer mon Shadow. Voilà. Voilà. Bah écoutez, sur ces belles paroles, on va aller jusqu'à Necto, tranquille. On va finir ce stream, tranquille. J'ai beaucoup parlé, je me suis beaucoup ouvert, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci juste d'être là et d'écouter. En fait, c'est... D'un point de vue psychologique, juste psychologique,
Ok, c'est peut-être le moment où je donne des conseils un peu plus loin. Ne gardez pas. Ne gardez rien. Voilà, ne gardez rien. Personnellement, je le fais. Ce qui est une connerie absolue. J'ai tendance à beaucoup garder pour moi et à pas trop m'exprimer, pas trop exposer. Pire connerie, les gars. Pire connerie. Ne gardez jamais rien pour vous. Vous avez quelque chose sur le cœur, vous avez quelque chose à dire, vous n'êtes pas bien, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes heureux, vous êtes joyeux. N'importe quoi, dites-le, faites sortir vos émotions, c'est important, parce que sinon, enfin, c'est un coup à pas devenir flingué, hein, n'abusons rien, mais tu deviens aigri et t'es triste tout le temps, et c'est pas le but, c'est pas ce qu'il faut, donc, juste parler, exprimer vos sentiments, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le. Juste parler, c'est important. Sur ça, le mec n'arrive plus à parler. Sur ce, il est 22h22, je voulais finir à 22h, on a un peu dérivé comme d'habitude. Merci beaucoup, les amis, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été présent, merci d'avoir été aussi nombreux. Je sais pas trop si... Faut que je réfléchisse là, faut que je fasse un point sur Transport Fever 2. Je sais pas si on va continuer cette partie, ou si on va passer sur une autre partie, parce que là c'est vrai que je commence à tourner quand même un peu en rond. Même si j'ai dit ouais, il y aura un prochain épisode, tout ça. Voilà, on va voir, peut-être qu'on va passer sur la partie européenne, je ne sais pas. Je réfléchis, vous pouvez me donner vos avis. Donnez-moi vos avis en commentaire, sur Discord, machin, tout ça. Merci à tous, merci beaucoup, merci, merci, merci. Vous êtes des gens super, continuez à être super, et soyez bonheur, soyez amour, c'est comme ça que ça marche. Ciao tout le monde, merci beaucoup, c'était Marketax, ciao ciao.